Bonjour à tous dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va faire un exercice concernant les ensembles. Alors, soit E un ensemble et AB de son ensemble de E. Donc, avant d'aborder cet exercice, il faut définir l'union, l'intersection et aussi le complément d'un ensemble. Pour tout ça, on va utiliser ce petit dessin. Alors, on va supposer que l'ensemble E, c'est tout cet ensemble. Et l'ensemble A, c'est celui-là qui est en rouge. Et l'ensemble B, c'est celui-là qui est en vert. Donc, on va commencer par le complément d'un ensemble. Par exemple, le complément de A. On le note comme ça ou comme ça, c'est-à-dire le complément de A dans l'ensemble E, car A est inclus dans E. C'est tout élément qui appartenant à E, mais qui n'appartient pas à A. C'est-à-dire, si on a un X qui appartient à A, barre, c'est-à-dire le complément de A, ça est équivalent à X appartenant à E et X n'appartient pas à A. C'est-à-dire l'ensemble A barre. C'est l'ensemble de tous les éléments qui n'appartiennent pas à A, mais bien sûr, il appartient à E. Passons maintenant à l'union, c'est-à-dire A union B. C'est tout cet ensemble. Donc, si on a un élément X qui appartenant à A union B, ça est équivalent à X appartenant à A ou X appartenant à B. C'est-à-dire, pour qu'un élément X soit dans l'union de A et B, il suffit qu'il appartienne à l'une des sous-ensembles, c'est-à-dire soit il appartient à, soit il appartient à B, ou bien il appartient à Et tous si les X deux. Appartient à A et appartient à B, on va dire que X appartient à l'intersection de A et B. C'est ce petit ensemble qui est en jaune, c'est-à-dire l'ensemble les éléments qui appartiennent à et en même temps, il appartient à B. C'est-à-dire, si on a un élément X qui appartient à A inter B, ça veut dire que X appartient à A et X appartient à B. Donc maintenant, on peut aborder l'exercice. Donc pour montrer la première proposition, c'est-à-dire le complément de A inter B égale à le complément de A union le complément de B. Donc on veut montrer que le complément de l'intersection, c'est-à-dire le complément de A inter B égale à le complément de A union le complément de B. Donc pour montrer ça, il suffit de montrer que si un élément appartient à cet ensemble,
elle appartient à celui-là. Donc, on va commencer par soit à x qui appartient à l'ensemble E. Donc, x appartient à le complément de l'intersection. Ça veut dire que cet x n'appartient pas à l'intersection. Donc, on va faire la négation de cette équivalence. Donc, on a x appartenant à A inter B équivalent à x appartenant à A et x appartenant à B. Donc, x n'appartient pas à A inter B, elle est équivalent à x n'appartient pas à A ou x n'appartient pas à B. Pourquoi? On a dit que l'intersection de A et B regroupe les éléments qui appartiennent à A et appartenant à B en même temps. Donc, si un élément n'appartient pas à cette intersection, c'est-à-dire que cet élément, il n'appartient pas à A ou bien il n'appartient pas à B. Donc, ça équivalent à X n'appartient pas à A ou X n'appartient pas à B. Donc, X n'appartient pas à A. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, x appartient au complément de A, ou x appartient au complément de B, ou, c'est-à-dire quoi? Ou représente l'union. Donc, X appartenant à A appartenant au complément de A union le complément de B. Et comme vous remarquez, dans toutes les étapes, on a passé par des équivalences. Donc, si un élément X appartient à cet ensemble, il appartient à celui-là aussi. Donc le complément de A inter B égale à l'union de complément d'A et complément de B. Il faut montrer aussi que le complément de A union B, elle est égale à complément de A inter complément de B. On va faire la même chose, mais on va remplacer l'intersection par l'union et ou par et. Comme ça, on va trouver que A union B, c'est égal à le complément de A inter le complément de B. On va passer à la deuxième proposition, c'est-à-dire il faut montrer que A inter B union C égale à A inter B union A inter C. Donc, on veut montrer que A inter
B. Union C égale AA inter B union A inter C. Donc, si un élément X appartenant à A inter B union C, c'est équivalent à X appartenant à A et X appartenant à B ou X appartenant à C. Donc, c'est équivalent à X appartenant à A et X appartenant à B ou X appartenant à A ou X appartenant à C. Donc, X appartenant à donc X appartenant à inter B ou X appartenant à inter C. Donc, je suis désolée, ça c'est et ce n'est pas où, puisqu'on a et ici. Donc, X appartenant à inter B union A inter C. Et comme ça, on a montré le résultat demandé. Et pour la suite, on a la même chose, seulement on remplace l'intersection par l'union et l'union par l'intersection. Donc la démonstration se fait par la même manière de celui-ci. Donc comme ça, on a terminé la première partie de cet exercice. Je souhaite que vous avez bien compris et à la prochaine, Inch'Allah.